Ce qui s'affiche sur ton écran, c'est les résultats que j'ai obtenus avec Instagram. 12 000 likes sur ce post, 10 000 sur celui-là, plus de 55 000 comptes touchés sur ce post et 40 000 avec celui-ci. Il y a également d'autres screenshots. Là, par exemple, tu vois deux de mes anciens comptes Instagram, un avec presque 40 000 abonnés et l'autre avec presque 30 000. Ici, il y a également le Reels qui m'a permis de faire le plus de vues. C'était un Reels avec plusieurs millions de vues et comme tu vois, il y a eu plus de 150 000 likes rien que sur ce Reels-là. J'ai également une capture d'écran sur un de mes anciens comptes où j'étais passé de à peu près 200 abonnés à presque 1000 en seulement une semaine. Tout ça pour te dire que je m'y connais en Instagram, j'ai eu des gros comptes Instagram avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Je ne suis pas n'importe qui et dans cette vidéo je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec la plateforme. Que tu sois un total débutant qui n'a encore pas de compte Instagram ou qui a très peu d'abonnés ou au contraire que tu sois quelqu'un avec déjà quelques centaines voire quelques milliers d'abonnés mais qui n'arrive pas à monétiser son compte, dans tous les cas je vais te montrer toutes les méthodes efficaces pour gagner de l'argent avec la plateforme. Et je tiens à te dire une chose, oui tu peux commencer à gagner de l'argent sur Instagram avant même d'atteindre les 1000 abonnés. Je vois beaucoup trop de personnes qui pensent que argent sur Instagram est corrélé avec le nombre d'abonnés. Mais laisse-moi te dire une chose, il y a certaines personnes avec 500 abonnés sur leur compte qui gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres qui en ont 50 000. Et c'est pas une blague. Alors, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est d'abord de voir les méthodes pour gagner de l'argent sur Instagram qui s'appliquent au plus de comptes possible. Comme ça, on va ratisser large, on va voir les méthodes un peu principales et comment bien les optimiser pour gagner énormément d'argent, même avec peu d'abonnés. Et ensuite, on verra les méthodes secrètes. Ça, c'est des méthodes que peu de monde utilise, mais qui peuvent te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent avec Instagram et même de vivre de ton compte avec seulement quelques centaines d'abonnés. On commence tout de suite avec la première méthode que tout le monde va connaître, c'est les placements de produits ou les dédicaces, parce que moi je rentre les deux dans la même catégorie. Donc qu'est-ce que c'est les placements de produits pour moi? Les placements de produits c'est quand tu fais de la pub pour une marque sur ton compte Instagram, et les dédicaces c'est à peu près la même chose, sauf que tu fais la pub d'un autre compte Instagram sur ton compte à toi. Tout le monde sait comment ça marche de faire de la pub sur Instagram, tout le monde a déjà vu des influenceurs faire de la pub, mais dans cette vidéo je suis pas là pour te parler comme tout le monde. Dans cette vidéo je te dévoile des choses secrètes, des choses que peu de personnes connaissent, et c'est pour ça que je vais te dévoiler combien tu peux être payé en fonction de la popularité de ton compte Instagram. Les tarifs que je vais te dévoiler sont cachés par les gros influenceurs qui ne veulent pas que tu saches combien tu peux récupérer en faisant des partenariats avec une marque. Et dans cette vidéo j'ai étudié bien le marché Instagram, j'ai posé des questions à des gros influenceurs et je me suis servi moi-même de ma propre expérience pour te dénicher combien tu peux demander à une marque pour tel ou tel placement de produit. Ça peut te permettre de ne pas te faire arnaquer et de voir à peu près combien tu peux gagner suivant un placement de produit sur ton compte. Donc les tarifs sont les suivants, je te l'ai dit. Donc moi, de ce que j'ai vu d'après mon expérience, c'est environ 15 euros pour 1000 vues en story. C'est-à-dire que si tu fais une pub pour quelque chose en story et que tu fais à peu près 1000 vues, tu demandes environ 15 euros. Si tu fais 2000 vues, tu demandes 30 euros. Si tu fais que 500 vues, tu demandes du coup 7,50 euros. Bref, il faut adapter en fonction de ton nombre de vues, mais c'est à peu près ce tarif-là. Et pour les posts, de ce que j'ai vu, c'est à peu près 100 euros pour 1000 likes sur un post. Donc si tu fais que 500 likes sur un post, tu demandes 50 euros. Et au contraire, si tu fais 10 000 likes, eh bien tu demandes 10 fois 100 euros, c'est-à-dire 1000 euros. Évidemment, ça, ce sont des estimations, des moyennes. Ça dépendra de la niche de ton compte Instagram. Certaines niches peuvent demander beaucoup plus d'argent et d'autres un peu moins. Et donc, si on te propose un partenariat qui te paye beaucoup moins que ce que je viens de t'afficher là, eh bien on ne l'accepte pas, on essaye de t'arnaquer. Voilà, ça c'était le premier petit secret que je vais te dévoiler. Maintenant on passe à la deuxième méthode qu'aussi beaucoup de monde connaît, c'est l'affiliation. Absolument tout le monde connaît l'affiliation, en tout cas la plupart des gens savent ce que c'est. Je t'ai mis un petit schéma, tu peux mettre pause pour essayer de le comprendre. En gros c'est tout simple. Toi tu es ici, tu es l'affilié, et ce que tu vas faire c'est que tu fais la promotion d'un produit ou d'un service auprès de tes clients. Donc tes clients évidemment ils sont sur Instagram, le client intéressé achète l'offre et le vendeur en échange te reverse une commission, te reverse de l'argent car tu as fait la promotion de son produit. Je vais pas trop parler de l'affiliation, tout le monde sait pourquoi c'est bien, pas besoin de créer de produit, c'est très simple à mettre en place, etc. Tout le monde le sait, mais simplement je voulais t'orienter vers une formation si tu t'intéressais vraiment à l'affiliation. Je te mettrai en description le lien du plan affiliation 28, c'est la formation que j'ai moi-même suivie pour me former sur l'affiliation et ça correspond parfaitement à Instagram. Donc si tu veux l'appliquer, je te mettrai le lien dans la description. On va pas parler plus longtemps de l'affiliation parce que je pense que déjà trop de personnes connaissent ces méthodes. Moi je vais te partager des méthodes plus secrètes, des méthodes que peu de monde connaît, mais qui peuvent te faire gagner énormément d'argent. C'est pour ça qu'on va passer aux méthodes du coup un peu plus secrètes qui peuvent te permettre de vivre d'Instagram, cette fois avec très peu d'abonnés, je te le répète. Donc la prochaine méthode, c'est la vente de services. Donc qu'est-ce que c'est la vente de services? T'as simplement à regarder le nom, il n'y a pas de sens caché ou quoi, tu vends des services via Instagram. Ça, je vois très peu de personnes le faire, alors que pourtant c'est ultra puissant. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes un peu mieux. Imaginons que tu aies un compte Instagram qui parle de e-commerce. Donc le e-commerce, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de vendre des produits sur internet. Donc par exemple du dropshipping, c'est du e-commerce, mais Amazon, c'est aussi un site de e-commerce.
e-commerce. Eh bien, imaginons que tu as un compte Instagram qui parle comme ça de e-commerce, eh bien, tu peux vendre des dizaines de services. Là, je t'ai mis quelques exemples de services que tu peux vendre via ton compte Instagram. Donc déjà, tu peux vendre des boutiques e-commerce, c'est-à-dire que tu crées des boutiques pour tes clients, des boutiques en ligne où ils peuvent vendre leurs produits. Tu peux aussi vendre des descriptions de produits sur un site e-commerce. Il faut que la personne ait une description de son produit, un truc écrit qui le décrive. Eh bien, tu peux vendre ça, ou également tu peux gérer les pubs de tes clients, parce que tu le sais, pour qu'une boutique e-commerce ou une boutique en dropshipping se fasse connaître, il faut qu'elle fasse de la pub sur les réseaux, sur Facebook, etc. Et toi, tu peux vendre ce service-là de gérer la pub de tes clients. Ça, c'est que quelques exemples de services, mais évidemment, ça marche avec plein d'autres thématiques de compte Instagram. Et rien qu'avec le e-commerce, tu peux déjà trouver encore plein d'autres services que tu peux vendre via Instagram. Je vais te donner un exemple un peu plus concret de combien est-ce que tu peux gagner. Si on reprend notre exemple du compte Instagram sur le e-commerce, si tu vends une boutique e-commerce à 200 €, c'est pas du tout un prix élevé, hein, c'est à peu près les prix du marché. Une boutique e-commerce, ça se vend à peu près à ce prix-là. Et bien, avec seulement 10 boutiques faites par mois, tu peux gagner déjà 2 000 € et vivre de ton compte Instagram. 10 boutiques, c'est absolument rien, et 10 boutiques, ça veut pas forcément dire 10 clients. Ça se trouve, tu auras que 5 clients, mais il y en a un qui te demandera de lui créer 4 ou 5 boutiques, et à ce moment-là, il te fera gagner beaucoup plus d'argent que les autres. Et ça, comme je te l'ai dit, c'est qu'un exemple avec une thématique de compte et un certain type de service, mais tu peux bien sûr vendre plein d'autres services, et ça peut marcher avec plein d'autres thématiques de compte Instagram. Donc, ce que je te demande maintenant, c'est de te poser la question: est-ce que je pourrais pas vendre des services reliés à la thématique de mon compte Instagram, reliés à la niche de mon compte Instagram? C'est hyper important que tu te poses cette question, parce que la vente de services, c'est peut-être ce qui te fera décoller et ce qui te fera vivre de ton compte Instagram, même avant d'avoir les 1000 abonnés. Maintenant, si tu ne veux pas vendre des services, ce n'est pas grave, il y a d'autres méthodes, notamment une méthode que j'affectionne particulièrement, qui est la vente de coaching. Alors, j'en vends pas personnellement, mais je sais que c'est une excellente méthode qui peut te faire gagner énormément d'argent. La vente de coaching, tu sais ce que c'est, c'est-à-dire que tu coaches personnellement un élève pour qu'il réussisse dans un domaine en particulier. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as un compte sur le fitness, sur la musculation. Donc ça, c'est des comptes qui marchent plutôt bien sur Instagram. Et bien, ce que tu peux faire, c'est vendre du coaching. Donc les personnes qui vont sur ton compte Instagram, qui veulent devenir musclés, qui veulent s'entraîner au fitness, à la musculation, eh bien, ils peuvent avoir la possibilité de payer un coaching chez toi. Un coaching, c'est vraiment quelque chose de personnalisé avec ton élève. Donc dans ce cas-là, par exemple, de la musculation, etc., tu crées un programme d'entraînement personnalisé, tu crées une diète, donc un régime personnalisé. Tu donnes des conseils par message, tu fais des appels privés avec ton élève, etc. Et le fait que ce soit personnalisé comme ça, que tu t'adresses vraiment à un seul élève ou à ton élève, que tu lui crées des choses pour sa situation à lui, ça fait que les gens payent extrêmement cher pour un coaching. Et là, je vais te donner un petit exemple. Si tu vends par exemple tes coachings à 500 €, donc ça dépend, hein, les tarifs des coachings, ça peut aller de quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros si tu es vraiment réputé dans ton domaine. Mais imaginons que tu vendes ton coaching qu'à 500 €. Et bien, si tu accompagnes seulement 5 personnes, c'est rien du tout. Tu peux déjà atteindre les 2 500 € par mois. Je pense qu'avant même les 1000 abonnés, ces 5 personnes, tu peux les trouver. Donc c'est pour ça que je te repose la question encore une fois. Tente de voir si la thématique de ton compte Instagram, la niche, le thème dans lequel tu es sur Instagram, il pourrait pas accueillir du coaching. Regarde si tu pourrais pas vendre du coaching via ton compte Instagram, parce que c'est ultra puissant. Là, j'ai pris l'exemple de la musculation, etc., mais ça marche avec plein d'autres types de comptes. On passe maintenant à ma méthode préférée pour gagner de l'argent sur Instagram, la vente d'infoproduits. Alors ça, c'est une méthode qui est personnellement ma préférée, parce que je trouve qu'elle est très rentable, mais c'est la méthode préférée de plein de personnes. Pourquoi ? Parce que la vente d'infoproduits, c'est ultra rentable. Donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à vendre les fameuses formations en ligne ou des e-books. Les infoproduits, en fait, ce sont les produits qu'on appelle produits d'information, c'est-à-dire des produits qui apprennent des choses aux gens. Et pour te donner un petit exemple, imaginons qu'encore une fois, tu aies ce même compte sur la fitness ou la musculation. Comme je te l'ai dit, c'est qu'un exemple, ça marche avec plein d'autres types de comptes. Eh bien, tu peux vendre des formations, par exemple, sur comment prendre de la masse et du muscle en 30 jours, ou comment perdre 10 kilos par mois. Ça, c'est des petits titres de formation un peu aguicheurs, tu vois, et qui vendraient très bien. Le truc qui est bien avec la vente d'infoproduits, la vente de formation en ligne, c'est que ça marche avec quasiment tous les types de comptes Instagram. Tu as seulement à créer ton produit une fois, à dépenser du temps, un petit peu de temps à créer, pour prendre quelques jours pour créer ta formation, et après tu peux la vendre à l'infini. C'est pas du tout comme pour un coaching où tu dois être présent tout le temps avec ton élève, créer des trucs personnalisés pour lui. Là, tu peux créer une seule formation et la vendre à des dizaines, des centaines, voire des milliers d'élèves. C'est ultra rentable. Et si, encore une fois, je te donne un petit exemple et que tu vends une formation à 197 €,
Pour ceux qui connaissent un peu le marché de la formation, 197€, c'est pas une formation bon marché, mais c'est pas une formation très chère non plus. T'as des gens qui vendent leur formation à plusieurs milliers d'euros, t'en as d'autres qui les vendent à 100 ou 50€. 197€, on va dire que c'est la moyenne, voire une formation pas très chère. Et bien si tu vends seulement 10 formations par mois, ça te rapporte déjà 1970€ par mois. Sachant que là, on prend l'exemple de si tu as une seule formation, mais des formations en ligne, tu peux en créer plusieurs, tu peux en créer 2, 3, 4, 5, 10 si tu veux. Et il y a forcément des élèves, si tu as plusieurs formations, qui achèteront plusieurs de tes formations. Ils prendront ta première formation, s'ils l'aiment bien, ils en achèteront une deuxième, une troisième, etc. Et à ce moment-là, ça fait un effet boule de neige et tu peux gagner bien plus que cette somme-là. Et encore une fois, vendre 10 formations par mois, c'est absolument rien et ça peut se faire dès tes premières centaines d'abonnés largement. J'espère que tu vas prendre en main les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo pour toi aussi gagner de l'argent, même si tu as moins de 1000 abonnés. Et à l'écran, je t'affiche une autre vidéo qui pourrait fortement t'intéresser. Malheureusement, cette vidéo-là disparaîtra dans 5 secondes, donc tu feras mieux de te dépêcher, car après, il n'y a aucune chance que tu la revoies dans ta vie. 5, 4, 3, 2, 1.